Bonjour tout le monde, ici Douascon27 et aujourd'hui nous retrouvons pour le premier épisode de The Lone Warrior saison 2. Ouais! Enfin, j'étais tellement emballé à faire cette saison-là de The Lone Warrior. Et donc aujourd'hui, je vais pouvoir vous... J'ai les graines sur moi. Ok, je vais pouvoir vous montrer ce que je vais faire. Pourquoi est-ce que je vais faire? Ce que nous avons fait! Donc la base qui a été conçue par moi... Et avec l'aide de mes amis qui m'ont écouté et qui ont refait ce que j'ai dit de faire, mes petits ouvriers. Mais non, c'est une joke. Non, on a fait une petite base de malade. Donc là, présentement, je crois qu'on est 11 dans la fac. 11 membres actifs, sauf Olix qui est pas vraiment souvent là. Puis Daily PVP qui ne sera pas vraiment non plus. Voilà. Donc on est ça. C'est les... Les deux autres les officiers et il y a moi le chef. Donc voilà. Donc j'enlève mon armure et je vous présente la base. Donc après avant tout ici on a un système donc pas très compliqué. Je fais ça ici. J'écris exemple 6 speed 2. Et là je fais terminer, je le signe pas. Je mets dans le coffre et mon ami Carl Home 001. Il va le voir, il va dire ah, ok, c'est bon, ben, je vais aller crafter ça. Donc, déjà, c'est assez génial. Donc, premièrement, on peut descendre. Oh, je vais mourir. Je suis jamais mort dans ma première chute. Donc, ici, on a nos deux petits spawners à mob. Donc, on est ici. On fait la descente en enfer. Oh putain, ouais, voilà. Donc à chaque fois ils peuvent s'échapper un peu parce que quand il y en a trois en même temps, donc faut éclairer un peu le passage. Pourquoi moi j'ai pété ma torche? Voilà, on vient ici et on tape dans le tas. Les araignées ils passent pas, hein. Ils passent seulement lorsqu'il y en a trop, mais comme vraiment trop. Donc c'est pour ça que j'ai mis une porte pour pas que... Pas que les petites vilaines puissent s'enfuir. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Aurait-il une araignée qui se serait échappée? Ceci est fort bien possible. Il n'y a pas d'araignée. Bon, pas de s'être brûlé, genre. Quelconque. Donc voilà, notre farmer dégage. Notre farmer, spider, squelette, à tout. Et voilà, puis les mobs, vu qu'ils nous attaquent pas, se servent, on peut s'amuser. Et ensuite, on va chercher le stuff, voilà. Puis après ça, bah, les oeils, on va aller faire les potions avec. Donc voici notre petit champ agricole, ce que vous avez vu dès le début. Un petit champ agricole encore, donc c'est pas protégé parce qu'on s'en fout un petit peu. Et il y a donc la petite salle que Anto a faite avec la fin du champ, donc pour les faire de cacao. Ensuite, l'autre étage. Donc, on va retourner au fond parce qu'on peut pas remonter. Question de sécurité. Donc, comme ça, si quelqu'un pète cette main, il peut pas remonter. Un instant. Désolé, parce que je suis encore malade, puis ma voix a fucked up tout le temps. Donc voilà, ici, nos commandes arrivent ici. Donc, toutes les potions que je vais commander ici, que Carl va prendre en considération, il va les faire remonter avec un système très très simple qui suffit de mettre 9 blocs. Genre, bon, exemple, c'est le bloc central. Genre, 1, 2, 3, 9 blocs. De tout rien n'est passé, de pousser avec des pistons, tout remonte, et l'endroit où il va en ouverture, donc ici une ouverture, ça va tomber là, l'eau l'emmène direct dans les hoppers, et le coffre s'est rempli. Donc c'est assez simple, je peux vous faire un petit exemple. Donc on va y aller, ah, je fais toujours la même ferme, putain de merde, ça m'enlève full de vie, parce que si je me laisse tomber direct, je vais passer au travail direct aussi.
Ah. Voilà. Cette fraction est faite en 7 jours. Donc, exemple, je mets ça là. Vous l'avez vu? Parti! Et là, il est rendu en haut. Donc, bien simple. Hein. On va aller voir tout tantôt dans le coffre. Voir s'il est vraiment rendu en haut. Et, je peux vous dire qu'il l'est. Donc, voilà, ici, un petit endroit pour faire pousser les netherracks. Pour faire les potions, on a pas mal d'ingrédients. Donc, voilà. Donc, quand lui il charge, on emmène les potions dans les coffres safe. Pendant que lui, il fait des potions ici. Comme ça, comme là. Voilà. Je fais du ménage. Oui. Bon. Donc, les coffres qu'il y avait en haut, ben, il n'y a plus juste ça. Maintenant, il y a tout ça de coffres. Bitches. Les bitches. Il y a des coffres pour tout le reste de ma vie. Donc, ici, il y a les coffres d'équipement. Coffre de flèches. Coffre d'arc. Coffre de rien. Coffre de rien, puisqu'on n'a pas encore tout rempli. Coffre de TNT. Coffre de trucs à vendre. Donc, la poudre d'os, on en a déjà assez, donc on la vend. Si c'est coffre de livres d'enchantement, on va sûrement mettre des coffres de potions en bas aussi. Parce qu'on a deux coffres pleins en haut, est-ce qu'on s'apprend de la place pour rien. Donc, lui, il a déjà distillé un peu de trucs, et il se découle. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les édarignons? On les rapporte ici. Les bons mills, on fait de l'agriculture avec. Et on est en business. Ce qui nous reste à faire pousser, c'est les carottes. Désolé. Donc, exemple, je pitch. Je peux pas emmener plus que 5 objets différents à la fois. Donc, les potions, on en drop 5. On les envoie. Mais, par exemple, on a, je sais pas, un stack de quelque chose. Le stack au complet va y aller d'un coup. Donc, ça va marcher. Fait que si j'envoie, exemple, mon stack de torches, ça va y aller quand même. On l'a pas vu, parce qu'on a toujours l'impression qu'ils partent par là. Sauf qu'en fait, ils montent. Donc, on va aller voir ce que ça donne. Ok, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est long. Voilà, mes torches y vont arriver. Voilà, mes 4 torches, mon steak est là. Et il me reste mon pseudo à arriver. Comment un petit pseudo? Voilà, il est là, je l'ai pris d'avance. Je chonne en gorge, ça me fait vraiment chier, désolé. Mais c'est quelque chose de vraiment chiant. Donc voilà, c'était notre base. Et l'extérieur n'a pas changé. Tabarnak. Donc c'est toujours la même base en opsi avec système amélioré sur le dessus pour se protéger avec la glace. Fait que si quelqu'un bombarde, ça pète, ça devient de l'eau, ça regèle, puis le toit est invincible parce que l'eau en dessous ne va jamais geler. Donc on a de l'eau à l'infini. Voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, laissez un j'aime. C'était l'épisode 1 de The Lone Warrior. Voilà. Merci et bonne journée.